Crois-toi ce qu'on dit de Barbe Noire, que du feu sort de sa tête comme d'un volcan. Si ce n'est pas le diable en personne, il a sûrement fait un pacte avec lui. Estime-toi heureux que son navire soit toujours à l'ancre et qu'il n'ait pas dévasté Charleston. Satané pirate, il faudrait leur donner une bonne leçon. Ah, on ira parler sa voix. Jusqu'au dernier. Qui va là ? Deux caïmans qui cherchent de quoi dîner. Ryder, vieille canaille. C'est chaud ce soir, non ? C'est pas le moment de parler du temps qu'il fait. Je suis pressé. C'était quoi, ça? Un crocodile, hein? Il vient droit sur nous. Je le sens. Tu as vu des crocodiles ce soir? Tu sauras que quelque chose est passé à côté de la chaloupe. Non. La nuit est calme. T'es sûr? J'ai entendu quelque chose dans l'eau. C'était calme jusqu'à ce que t'arrives. Allez, le capitaine attend. Traînez ici! Mes excuses, sir. Ces démons! Ah! Barbe Noire t'a fait la meilleure offre qu'un homme ait jamais reçue d'un pirate. Tu peux maudire ses méthodes, mais il ne voulait que des remèdes. Et il va les avoir. T'aurais mieux fait l'accepter, mon gars. Il
Il est de retour, Capitaine. Alors, Edward? Deux caisses. Quoi préparer toutes les doses dont t'auras besoin. Ah, très bien pensé, petit. Par les temps qui courent, c'est rare. Vous entendez, Monsieur Rags? Mon jeune ami qui revient chargé de présents vient de sauver votre cou décharné. N'a-t-il pas droit à votre gratitude? On devrait quitter ces eaux, Satch. Le gouverneur va faire venir d'autres soldats. Non, vas-y, toi. J'ai une affaire à régler au nord. Tu t'en vas, c'est ça, hein? Tu nous abandonnes? Et Nassau? Écoute, petit. Je suis en train de boucler ma quatrième décennie. Et si je ne trouve pas le moyen de faire de la cinquième un voyage serein et tranquille, je préfère sombrer devant les portes de l'enfer que de continuer à me faire passer pour un capitaine. Allons, petit, on se reverra. Dans ce monde. Ou chez Neptune. Romantique fadasse. Par ici. Tout est prêt, il aime pas attendre. Regardez quelques-unes de tes séquences. C'est incroyable. Barbe Noire était vraiment taré. On a tous trouvé ça si accrocheur qu'on s'est imaginé une bande-annonce centrée sur lui. Il est en train de boire du rhum, de parler avec les pirates, de raconter une histoire. Ensuite, on enchaîne sur un plan où il bondit sur son bateau et... sur son navire, pas bateau. Bref, il s'active dans tous les sens. Il saute, il se bat comme un vrai démon... Ouais, bon, il faudra modifier un peu les images d'origine pour que ça rende bien, mais ça pourrait être génial. Par la barbe de Neptune, j'ai hâte de la voir. Désolée. Bonjour, tout va bien? On est en retard? Non, vous pouvez en... Salut Mélanie, je t'ai vu arriver à l'instant... Je dois te voir quelques minutes toute seule. J'ai Laetitia au téléphone, on discute du projet Kenway. Ah, ouais, bien sûr. Je suis vraiment désolée, je te contacte dès qu'on est prêt. Ça ne sera pas long. Salut. Allô? Dis, t'as une seconde? Bien sûr que oui. Va jusqu'au repère indiqué sur ta carte, j'ai un autre service à te demander. J'aimerais relier toutes les caméras du bâtiment à un système de surveillance centralisé, mais la plupart sont mal calibrées. Va à droite du bureau d'Olivier. Si la réceptionniste se plaint, fais comme si t'allais aux toilettes. Si vous devez utiliser les toilettes, elles sont juste là. Si vous voulez, il y a aussi quelques journaux qui traînent. Encore une porte verrouillée? Aucun souci. Voilà, tu as maintenant l'habilitation niveau 2. Pas mal pour ton premier mois au bureau. Trouve d'abord la salle de contrôle des caméras. Mets à jour ton communicateur. Voilà une mesure de sécurité intéressante. Tu vas devoir trouver la bonne combinaison de nombres pour régler l'onde. C'est pas compliqué, non? Choisis un nombre et modifie la valeur. Quand tu auras trouvé la bonne combinaison,
tu auras accès au bonnet. Il va falloir trouver la bonne combinaison de nombres pour régler l'onde. C'est pas compliqué, non? Choisis un nombre et modifie la valeur. Quand tu auras trouvé la bonne combinaison, tu auras accès au bonnet. Je suis navré si ça tombe mal. On n'a absolument aucune envie de ralentir les recherches. Mais je le répète, il faut comprendre qu'on n'a vraiment pas les ressources nécessaires pour accélérer la cadence. Tu vas devoir te débrouiller. C'est ta priorité numéro un. Vos produits de divertissement ne servent qu'à une chose, financer des travaux plus utiles et plus ambitieux. C'est comme ça que le monde tourne, ok? C'est avec de l'argent sale qu'on construit des hôpitaux. Tu comprends? On est à 100% avec vous, Laetitia. Notre meilleur élément bosse dessus à plein temps, mais ça ne va pas se faire en un jour. Il parle de toi. Bien, merci. À tous les deux. J'ai hâte de voir ce que vous allez nous envoyer. Je vous laisse. On se verra à l'Assemblée des actionnaires, Olivier. Oui, entendu, à bientôt. Bye. Bordel de merde! Il est beaucoup trop tôt pour qu'elle nous mette ce genre de pression. Bien. Alors, on fait quoi? On fait ce que la dame nous a demandé. On se concentre sur l'observatoire. Assassin Templier, c'est du délire. Mais je me demande ce qui va se passer à cette assemblée. Qu'est-ce que tu dirais d'aller faire un tour dans le bureau d'Olivier, histoire de regarder son agenda? Hein? Quoi? L'idée te déplaît? Tu préfères... Peut-être qu'il découvre ce que tu as déjà fait, sale pirate, je te tiens! Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas te pourrir la vie. Alors, fais ce que je te dis. Maintenant, va à la fenêtre. Dans le bureau d'Olivier en passant par la grande porte. Je t'ai ouvert une autre voie. Grimpe là-dessus. Tu savais qu'Abstergo était dirigé par des Templiers? Eh ben c'est vrai. Je sais, ça a l'air dingue, mais bon, on a bien mis en scène l'arrivée de l'homme sur la Lune, alors rien n'est impossible. Bon, voilà. Soit tu passes par cette porte, soit tu te jettes de la terrasse. C'est à toi de voir. Bravo, toi. Trouve l'ordinateur. Et ne traîne pas. On cherche des infos sur l'assemblée des actionnaires. Ça vaut un paquet de fric. Et sois prudent. Les programmes de sécurité suivent les flux dès qu'on manipule des données sensibles. Tu vas devoir y aller en douceur. Petite fouine, pirate jusqu'au bout des ongles. Maintenant, tu files à l'accueil.
Il y a une coursière qui t'attend. Ouais, t'as tout compris. Ça faisait plusieurs heures que je mijotais mon coup. Attends. La réceptionniste. Bouge pas. Je vais essayer un truc. Elle gobrait n'importe quoi. Maintenant, dépêche-toi de descendre à l'accueil avant que je fasse exploser ton oreillette. Et si tu crois que tu peux me balancer, sache que j'ai effacé mes traces, mais pas les tiennes. Je me suis entraîné. Je crois qu'il a un peu trop allongé. T'es dur avec moi. Ce n'est pas une de tes lignes de code. Ce n'est que du café, Rebecca. Alléluia, voilà notre vieille amie. Salut, je viens de recevoir un appel pour prendre des données en transfert. Ah, je croyais que tu étais venu me voir. Ouais, c'est les avantages du boulot. Fais voir ça. Une conférence à Chicago. C'est chouette, ça. Merci beaucoup. On reste en contact. Ciao, Rebecca. Écris-moi. C'est ça, Hastings. On n'a pas piraté ton poste, hein? Il faudrait vraiment se renseigner sur... Excellent cette... travail. Tu m'impressionnes vraiment. Je m'excuse pour mon petit dérapage de tout à l'heure. Mais je te jure qu'on est les gentils. Si, c'est vrai. On te protège. Tu peux me faire confiance. Retourne au boulot. On reste en contact. J'ai fouillé dans les serveurs quand je suis tombé sur un bout de données séquencées sur Jeanne d'Arc. À peine chargé de la sécurité. J'ai un affreux pressentiment. S'il doit arriver quelque chose, j'en serai anéanti. Je ferai attention, je le promets. Et quand je serai installé, les poches pleines d'or, je te ferai venir, je le jure. Caroline, je t'en prie, rentre. Fais attention à toi. Je ne sais pas si je viendrai, Edward. Si tu t'engages dans cette folle aventure, je ne peux rien te promettre. Ne m'abandonne pas, Caroline! Je n'y arriverai jamais sans toi. My dear fellow,
Can I help you?